In Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16. Il va se lever, puis comme d'habitude, il va encore chialer que son déjeuner est froid. Comment ça, m'a levé, puis m'a chialé comme d'habitude que le déjeuner est froid? Normalement, je peux chialer. Voyons, chérie, je n'ai pas dit ça. Poudon, il devine-tu qu'est-ce que je pense? Hey, ma chérie. Oui? Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable. Quoi? Je pense que je suis rentré dans la quatrième dimension. Ah ouais? Oui. Va m'asseoir et va t'expliquer ça. Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable que je tenterai de me répéter. Parce que je crois que je suis rentré dans la quatrième dimension. La quatrième dimension? Oui. M'a dit pourquoi. Tantôt, quand je me suis levé, je suis enfoiré dans un soulier. J'ai pris la balayeuse, puis j'ai tombé, mais j'ai cogné le front sur la table du salon. La tête a commencé à me tourner. On aurait dit qu'il s'est passé quelque chose en moi. Je ne sais pas, quelque chose comme si l'électricité rentrait en moi, quelque chose comme ça. Puis quand je suis arrivé ici dans la cuisine, tu étais en train de penser à quelque chose, puis j'ai deviné tes pensées. Deviné mes pensées. Exactement. Fait que c'est pour la raison que
là, on va en discuter plus, puis on va aller au salon, puis on va tenter des expériences. Tu vas penser à quelque chose, je vais essayer de deviner tes pensées. OK. Ah, c'est vraiment incroyable, mais vraiment, Ted, entrer dans la quatrième dimension, pense-y. La quatrième dimension? Là, on va continuer à deviner ce que les gens pensent que tu penses. Imagine, là, pas? En plus, peut-être passer au travers des murs, peut-être voler, je sais pas. Passer au travers des murs? Peut-être, on ne sait pas. Puis au salon, on en discute un peu, on fait quelques expériences. OK. Je vais t'en rappeler. Fais attention, mon petit chaton d'amour. Oui. Mais maintenant, l'expérience qu'on va faire, c'est que, là, je viens juste de mettre mes lunettes. Je vais voir pour voir avec mes lunettes, je suis capable de deviner tes pensées. Pense à quelque chose, et je vais deviner ta pensée. Pense-y bien. OK. Pense-y bien. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. Oui, c'est ça! Hey, c'est ça! Que j'ai pensé. Bon, ben là, maintenant, tu vas penser à autre chose, OK? Pense-y comme pour autre chose. OK. Je t'ai trouvé si beau que quand tu m'as parlé, je croyais rêver. Je t'ai trouvé si beau quand tu m'as parlé que je croyais rêver. Ah, t'en plains ça? Hein? J'ai pensé. C'est ça? Oui, c'est ça. Oh, c'est merveilleux! C'est merveilleux! Pense-y, pense donc, c'est merveilleux! Devine mes pensées! Hey. Ça fonctionne! Hey, carton d'amour! Bon! Là maintenant, mon petit chaton d'amour, il faut que je vienne travailler, parce que là, j'ai pas le choix. Là, on va penser de la façon qu'on va gérer cette situation de la quatrième dimension. La quatrième. C'est incroyable, mais vrai, ça se fera pas. Mais là, aujourd'hui, là, je suis parti de la belle-mère, ça me donne pas, parce que c'est pas de rien. Non, OK, voilà. Mais, une chose, c'est que là, comme je t'ai dit tantôt, là, j'étais nerveux, c'est pour ça que je bafouille, là, que je sais pas quoi dire. C'est même pas, mais c'est incroyable, mais vrai. Là, avant d'aller travailler, j'ai des commissions à faire au magasin Canadian Tire et au Zeller. Parce que tu sais, surtout le magasin Zeller, c'est un très bon magasin. Oui. Magasin avec des gros spéciaux, même Canadian Tire aussi, mais Zeller, je pense que c'est encore mieux. En tout cas, peu importe, là. Je suis pas ici pour vanter Zeller avec les magasins. Et puis, je vais aller travailler, puis après, à la fin de la journée, on s'en parle. La façon qu'on va fonctionner avec ça, OK? OK. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16.
là. Ouais, ok, c'est volé. Mais j'ai une bonne voix, ce morceau de linge-là. Qu'est-ce que je fais? Mais moi, ça me dérange pas, piquer, là. Moi, je vais le prendre pareil. Vous aviez l'intention de prendre quelque chose sans le payer? Non. J'avais pas l'intention de prendre ça, là. C'est rien que le checker. Parce que vous savez, mademoiselle, très bien, que si vous prenez quelque chose dans un magasin sans le payer, puis qui s'est volé, comme on dit, automatiquement, vous pouvez faire arrêter et puis pouvoir avoir un casier judiciaire en supplément. Qui c'est ça qui vous a dit ça? Je l'ai volé. C'est mon intuition personnelle qui m'a dit que vous aviez l'intention de prendre quelque chose dans le magasin. Non, je n'avais rien l'intention de faire. Puis, vous avez vu agent de sécurité, moi? Moi, non, je ne suis pas agent de sécurité, mademoiselle, mais que j'ai pressenti que vous étiez pour prendre quelque chose sans le payer. Ben non. Votre intuition est mauvaise. Comment que ça se fait pour devenir que je t'ai piqué quelque chose? Vous avez de mes pensées? Comme j'ai dit tantôt, c'est que quand on dit piquer, c'est voler. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes mieux de rien acheter. Parce que si vous faites prendre, vous allez avoir un casier judiciaire qui va être traîné avec vous toute votre vie. Comprenez-vous? Moi, quand je suis pas en sécurité, c'est une intuition que j'ai vue, que j'ai eue tantôt quand je vous ai vu. Ben, merci. Merci beaucoup d'avoir allumé. J'avais une belle intention de voler. Oui, c'est vrai. Mais là, je m'avais allumé, donc j'ai fait attention. Bon, ben, l'important, mademoiselle, c'est que vous ayez compris le message. Quand une personne n'a pas d'argent pour acheter du linge, ou peu importe, on ne l'arrête pas à la place. Parce que le monde ne pense pas aux gravités qui s'ensuivent. Et là, vous, comme je peux voir, que vous avez compris, vous m'avez dit que c'est comme si une lumière vous avait éclairé, que maintenant, vous n'aurez plus le goût de voler jamais, je présume. C'est ça? Oui. Bon, mais c'est parfait. Bon, une bonne journée, mademoiselle. Bonjour. J'avais l'intention d'arriver ici, prendre du linge, sans payer. Là, je pensais à ça. C'est quelqu'un qui est à côté de moi, un monsieur. Je ne connais pas son nom. Il est arrivé, puis il m'a dit que t'avais l'intention de te voler. Il a deviné mes pensées. Deviné. Après ça, puis il m'a expliqué que qui s'est volé. C'était pas volé non plus, hein? Quand tu dis que tu sors la tête haute, là, tu n'as jamais volé, là, que tu es contente, là, tu t'en vas, là, mais c'était une mauvaise scène. Tu dis que tu l'as payé, tu t'en vas avec, tu es fière de toi. Contente, tu es heureuse pour ma fille. C'est une mauvaise scène, là, tu vas le payer, puis tu t'attends sur ton chemin, puis tu es fière de toi. Tu es contente parce que tu ne l'as pas pris, je l'ai payé, c'est à moi, tu sais. Tu sors avec ça, puis tu es heureuse. Des fois, t'en vois d'autres, ça te pique, puis je me brûlais. Ben oui, avec les îles, avec les îles. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tout. Ben, faut pas avoir mieux que ça de se rencontrer. J'ai quelque chose de grave à dire. Oui, ben bon. Oui. Et où tu viens, là, ben, je viens de chez eux, là. Ah bon? J'ai rencontré la fille de Sophie. Oui. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait été, on va dire, au magasin. Et puis, qui avait regardé du linge, tu sais. Et puis là, elle avait dans son idée de voler. Mais comme elle pensait à ça, ben, il est arrivé quelqu'un, monsieur, là, tu sais, il a dit, je sais que c'est ce que tu penses, mais c'est pas correct, ça. Donc, il dit, tu devrais, dire, pas faire ça, parce qu'il dit, là, il dit, allez payer. Si tu veux réellement avoir ce morceau de linge, va payer. Là, Il a dit, monsieur, je ne recommencerai plus. Elle a dit, promis, là, il l'avait mis sur le droit chemin. Là, tu sais, elle était toute contente. Elle a dit, jamais que je penserais à faire ça. Là. Donc, elle était toute fière d'elle, dans le fond, mais malgré que c'est pas correct d'avoir pensé à ma fille semblable. T'es prête? Elle a fait ça, c'est bien épouvantable. J'aurais pensé qu'elle avait été voleuse. C'est des affaires qui arrivent qu'on ne s'attend pas, les jeunes, hein, aujourd'hui, là, il arrive tellement de choses. Mais ça, c'était pas dans elle, ça va pas.
Elle a été chanceuse d'avoir quelqu'un. Quelqu'un, qui, oui. Un monsieur qui avait fait changer de vie. Ça donnait dans les alentours. Ben, oui, il y a pas incroyable que ce type ait deviné ses pensées. Mais là, parce que moi, je m'en vais, mais mademoiselle tombe bien loin ici, au prochain magasin. Ok, ok. Un beau char, il aura de l'argent. Je vais le voler. Beau mec, il a de l'argent. Je vais le voler. C'est ça qu'il va te penser, mademoiselle. Qu'est-ce que je fais pour devenir passé? Mais voyons donc, monsieur, c'est pas ça que je pense pantoute. Ah, c'est pas ça que vous pensez. Mais non. Ben oui, c'est drôle, mais c'est mon intuition qui m'a dit que vous deviez penser ceci, mademoiselle. Ben non, voyons donc, monsieur. Ah ouais, vire la petite truc là, vire! Vite, là. Pas juste une tire. Ah ouais, tourne! Un stop à faire, vous tournez le fait de mon stop, shit. Tourne, ah ouais! T'as le temps, c'est mieux de tourner. Ah ouais, ton argent. Ah ouais, sors ton argent. Ah ouais! Les rôles ont changé, là! Ouais, vous volez. C'est juste parce que j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'argent. J'espère que vous pardonnez. Si vous l'avez. Là, je vais vous pardonner. Parce que l'important, c'est que vous ayez compris de ne plus jamais recommencer. C'est ça qui est l'important. C'est que vous ayez compris le message et vous me promettiez de ne plus jamais voler. Je vous jure, je ne recommencerai plus. Bon. Et pour vous prouver, mademoiselle, que je n'en veux pas, jamais, je vais même vous donner une cigarette, mademoiselle. Et en plus, je vais même vous allumer. Oui, c'est vous pardonner. Écoutez, mademoiselle, c'est comme je vous ai dit tantôt, l'important, c'est que vous ayez compris et ne plus jamais faire ça. Sauf que vous me dites que vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas d'argent. C'est pas une raison pour essayer de voler. Savez-vous, si vous alliez tomber sur un poulet, qu'est-ce qui vous aurait arrivé, mademoiselle? Je ne peux pas vous l'imaginer. Mais là, je comprends votre situation, mademoiselle. Et puis, pour vous montrer que vraiment, je ne vous en veux pas, mademoiselle, tiens, je vais vous donner quelques pièces en espérant que ça va vous aider. Merci beaucoup, monsieur. Je ne recommencerai plus jamais. Je suis vraiment désolée. Merci. Bon, OK, mademoiselle, vous pouvez y aller. Merci. T'en viens, tu t'en viens pour ça. Vous, vous n'en irez pas avec nous. Que ça soit privé par le gouvernement. Écoute, ça, c'est en place. Oui, moi. Comme moi. Mais je pile, là. Ouais. Ah oui, mais il m'a robé. Ben oui, vous. J'ai affaire à toi. C'est toi, Pierre? Ah ouais, OK, j'arrive. Je vais te demander, toi. Ah bon, c'est parti. Il m'a pas laissé d'argent. Il est parti en voyage. Puis j'ai besoin d'argent. Je veux faire un vol armé. J'ai besoin d'argent. Puis j'ai besoin de toi. Pierre, moi, je fais rien sans grand boss. Grand boss? Je veux rien savoir. Qui mange la barre? Moi, en tout cas, Pierre, je ferai rien sans grand boss. Puis, je vais donner ma démission à l'organisation. OK? Ça fait que. Puis, je te conseillerais de faire. De pas faire ton vol. De m'asseoir de côté.
point. Je pensais que t'étais mon ami, mais t'es pas mon ami. Écoute bien, si c'est pour l'argent, c'est pour l'argent. Voyons. On va te donner 100 piastres, OK? T'en veux pas? Non, on veut pas. À part de ça, moi, je sors de l'organisation. On ne sort pas d'une organisation de même. Quand on sort d'une organisation de même, on se retrouve les deux pieds devant. On se trouve dans le fleuve Saint-Laurent. Si je me trouve dans le fleuve Saint-Laurent, je te garantis que tu ne seras pas loin derrière de moi parce que ce que tu viens de faire au grand boss. Travailler dans le dos du grand boss, ben tu ne seras pas loin derrière de moi dans le fleuve Saint-Laurent. Y aller, vous y allez tout seul. Ah, bah, on va commencer là-dessus. M'excuse, monsieur, mais là, vous aviez l'intention de commettre un vol de banque? J'ai jamais eu l'intention de faire un vol de banque. Commettre un vol de banque. Parce que moi, mon intuition me dit que vous avez en train de penser de commettre un vol de banque à la banque de Shawinigan Sud. Ça, c'est fou. J'ai jamais pensé de faire un vol. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter mes pensées? C'est une coïncidence. Le bol de mort, on le fait pareil. C'était fou, ça. Écoutez bien, monsieur. Là, vous aviez réellement l'intention de commettre un vol de banque à la banque de Shawinigan-Sud. Fait que, écoutez, monsieur. Là, moi, c'est un... Vous êtes chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain après-midi qui vient d'essayer de vous rouvrir l'esprit, vous rouvrir les yeux, comme on peut dire, pour faire réfléchir. Vous voulez commettre un vol à main armée. Si vous commettez votre vol à main armée, vous allez le faire arrêter, c'est sûr. Après, vous ramassez derrière les barreaux. C'est à vous de décider, monsieur. Mais moi, être à votre place, je n'en ferai pas de vol à main armée. C'est le conseil que je peux vous donner. J'ai jamais pensé de faire de vol à main armée. Qu'est-ce qu'il a fait pour deviner mes pensées? C'est une coïncidence. Le bol de mort, on le fait pareil. C'était fou, ça. De commettre un vol à main armée, vous êtes en arrière de la banque, c'est. Monsieur, n'avait pas l'intention de faire un vol armée. Non! Avec une fausse moustache en partant? Ça, c'est quoi, ici, là? Ça, c'est quoi, ça? Tiens, si c'est pas pour un vol à main armée, c'est quoi, ça? Ah, ouais, ça. Ah, non, c'est ton voisin. Oui, c'est ton voisin. Ton dernier vol de banque que tu commets. Tire pas. Attends de parler, tantôt tu m'as dit que t'as pas l'intention de commettre un vol de banque, t'as pas qu'un dîner, pis là tu fais quoi en arrière de la banque, c'est? J'avais pas l'intention de faire un vol de banque. T'es le culot de me dire que t'as pas l'intention de commettre un vol de banque, t'es en arrière de la banque ici, avec tout l'équipement,
de cambrioleurs, les masques, les guns, tout. T'as le culot de me dire, oh non, il n'y a pas le tasseur de faire un vol de bande. Toi, monsieur, là, j'ai chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain comme moi. Parce que si vous voudrez, j'appellerai la police et vous ferai arrêter immédiatement. Même, j'aurais pu appeler la police tantôt quand j'avais deviné que j'étais sûr pour faire votre vol à main armée, monsieur. Oui, monsieur. J'avais l'intention de faire un vol à main. J'avais besoin d'argent. Mais vous le prenez pas, ça ne recommencera plus. Dans la vie, il n'y a personne qui se trompe pas. Je vais vous donner une chance. Je n'appellerai pas la police, monsieur. Mais les conditions que vous me promettez de ne plus jamais penser à commettre des vols à main armée, monsieur. Oui, monsieur. Jamais que j'en ferai des vols de banque. Et puis, je vous en demande pardon, mon excuse. Monsieur, vous m'avez ouvert les yeux juste à temps. Écoutez bien, monsieur. Il n'y a personne qui ne commet pas d'erreur dans la vie. L'important, c'est de savoir grandir d'après nos erreurs qu'on commet. C'est ça qui est l'important, monsieur. Alors, Kiri, tu n'es pas là. Je suis de retour, Kiri. Oui, oui, chérie, je m'en viens, là. Je vais te retrouver dans le salon. OK. Je m'assois en attendant. OK. Ouais, c'est comme je te disais à ma chérie. Oui. L'autre jour. Hey, depuis que je suis dans la quatrième dimension, c'est vraiment incroyable, mais vrai, de voir ce qui m'arrive. Ah oui? En tout cas, j'ai vécu à date toutes sortes de situations. En tout cas, c'est vraiment la quatrième dimension, c'est merveilleux, ça se peut pas. Et puis, de plus, si je te dirais que j'ai même retourné dans le temps. Retourné dans le temps? Exactement, j'ai retourné, dans le temps. Et je me suis acheté un beau Pontiac noir 1950, un Pontiac américain, un 8 en ligne, 105 forces, un manuel à 3 rapports. Ah ouais? Oui. Et puis en plus, là, si tu aurais vu toutes les vieilles autos, en remontant dans le temps, il y avait des vieilles autos des 48, des 50, des 59, toutes les années. Ou que tu l'as parqué ton char en antiquité. Mais mon char en antiquité, je ne l'ai pas acheté. Je viens de te dire, je vais retourner dans le temps. Oui. Et je me suis acheté ça quand je retournais dans le temps. Ah, OK. Et puis même, je te dirais plus que ça, que pas croyable. Maintenant, je passe au travers des murs. Ah, tu passes au travers des murs? Exactement. Ça se peut pas, ça? Je sais, c'est presque incroyable, mais vrai, mais tu n'as pas vu mon entrée tantôt, je passe au travers des murs. Je passe au travers des murs. Je devine maintenant les pensées des gens en supplément. Ah oui? Oui. Et puis en plus, là, c'est que l'avantage que j'ai, mettons, je m'en vais sur la rue, puis il faut que je me concentre pour être capable de définir les pensées des gens. Tu sais, j'entends pas comme du murmurant, je vais me concentrer sur quelqu'un, je vais regarder quelqu'un, et là, je devine ses pensées. Hein, tu devines ses pensées? Effectivement. Hey, c'est extraordinaire, ça. Hey, vraiment incroyable, mes frères. Puis aussi, quand on amour, là, oui? C'est que depuis que c'est la quatrième dimension, j'ai juste le goût d'être un justicier, et de faire régner la justice en toute légalité. Quoi? Un vrai justicier? Mais oui! Ah oui? Oui! Fait que maintenant, quand ton amour, pas que ça t'en passera, mais moi j'aurais le goût qu'on ira fêter ça. Ça te tenterait-tu qu'on ira faire un tour à l'exposition de Trois-Rivières? Oui! Bonjour! Hey, nous voulons rendre à l'expo. Fais-tu beau? Une vraie belle journée. Ah oui, oui. Fait qu'on va aller essayer les manèges. Ça va être vraiment le fun. Oui. Hey, il fait vraiment beau. Ben, on est à l'expo. Hey, regarde ce qu'il y a à terre. Hey, c'est quoi ça? Une bâche de Philippe avec un portefeuille. Hein? D'après moi, c'est sûrement un rapport avec la quatrième dimension. Ah oui, sûrement. Oui, ça sert à ça. OK. Yota. OK, on y va. Ah, j'ai quelque chose à aller voir par là-bas.
Car toi, pendant que tu vas aller essayer les manèges, là, moi, je pars par là. Et puis après, on va se retrouver à la sortie. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. OK. Bon. Just finished cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Yakety yak. Don't talk. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Don't talk that. You give me no dirty looks. Your father's give me no one cooks. Just tell your hula from outside. You ain't got time. Hey, je vous reconnais, vous, monsieur. Vous souvenez-vous de moi? Oui, oui, mademoiselle, je me souviens très bien de vous, oui. Vous m'avez empêché de faire un vol à l'étalage. Vous m'avez ouvert les yeux juste à temps. Oui. Sans vous, je m'aurais fait arrêter pour un vol à l'étalage. Je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup. Bon, écoutez bien, mademoiselle. Là, il n'y a personne, mademoiselle, qui ne commet pas d'erreurs dans la vie. Et l'important, c'est de reconnaître ses erreurs et ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, comme je peux constater, vous avez eu votre leçon et je crois que vous ne recommencerez plus. Alors, c'est merveilleux. Puis je suis réellement content, moi aussi, de vous avoir ouvert les yeux et vous avoir remis sur le droit chemin, mademoiselle. Ah oui, je vous remercie beaucoup. Quand on n'a pas d'argent, mademoiselle, on n'arrête rien, on n'a pas d'argent pour payer et on ne pense pas à voler. Comme dit le dicton, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais vous, comme je peux voir, vous avez compris la leçon et je suis vraiment content. Merci. OK, bonjour. Bonjour, mademoiselle. As-tu aimé les manèges? Oui, j'aimais ça. Puis c'est, même, sais-tu quoi? Il y en a un qui a dégueulé sur la tête des autres. Là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y en a qui prennent un gros repas avant d'aller dans les manèges? Ou il y en a qui savent qu'ils vont être malades des manèges, puis ils vont quand même. Ça, quel est le problème? En changeant de propos, là, quand même, on m'a demandé d'aller aux framboises avec elle. Je peux-tu y aller? Oui, oui, aucun problème. Tu aller aux framboises avec ta mère, oui, oui, ça me fait plaisir, ben oui. Et puis après, on se retrouvera chez nous. Oui, oui. Oui. C'est ça. À tantôt. Hein? Tu feras pas comme Sophie, la fille de Gertrude, fille du voile à l'étalage comme elle, là, parce que c'est pas... Elle perd son nom, puis il n'y a pas d'avenir avec ça, là. Sophie, là, j'étais à l'ESPO, là. Puis elle a eu sa leçon, là. Elle vole plus fort, tout. Les magasins. Compris. Elle a compris sa leçon, puis que là, elle est venue à bout de faire une femme d'elle, et puis c'est encourageant pour les parents, puis tout, ça. Avec Sophie, là. Puis elle a eu sa leçon, puis moi, pas peur, moi, je volerai pas. Je vole pas au magasin. Puis elle a eu sa leçon, elle volera plus jamais, puis... Ah, puis t'auras pas à avoir peur, moi... Ah, vous me demandez cette question-là. J'ai jamais volé de ma vie, puis... Je suis pas une voleuse. À voler. Quand j'ai besoin de quoi au magasin, je l'achète, je le paye. Je vole pas. J'ai jamais volé de ma vie. Franchement. Vous me demandez cette question-là, mais... Oh,
Oui, c'est toi, Pierre. Oui, c'est moi. Rentre, viens passer. Un bon petit Whis, 1939. Un bon whisky, Joe Whisky. Goûte à ça. Merci, Joe. Avec ça, voudras-tu un bon cigare? En est justement à deux. Oui, Joe. En rien, prends ça. À part de ça, qu'est-ce qui t'amène ici? Pierre. Viens te demander qu'est-ce qui t'amène ici. Chose importante, dis. J'allume. J'allume. À cette heure, tu vas me raconter ce qui t'est arrivé. Bon, j'ai été dans les parcs pour réfléchir, pour faire mon vol de banque. Pour deviner mes pensées. A deviné que vous la faire un vol de banque. Ouais, continue ça, Pierre, continue. C'est intéressant. Et dis au type, oui, fais de l'air, ça presse. Le type a disparu. La banque me prépara à faire mon vol de banque. Le type a passé au travers de la banque, puis est arrivé devant moi. Le type qu'a deviné tes pensées. Passe au travers de la banque. Mais continue, ça m'intéresse. Il m'a fait réfléchir. Il m'a fait un sermon. Ouais. Et maintenant, je sors d'organisation. Je veux changer de vie. Je veux refaire ma vie. Ouais, moi je pense, là, sais-tu quoi? Je pense que tu es en train d'halluciner. Ça doit leur dire, écoute, parce que des gars qui te passent à travers des murs, là, t'en vas pas tous les jours de ça, hein. Alors moi, je te conseille en affaire d'aller voir un docteur. Le docteur-là, il est très bon, c'est le docteur Baveux. Écoute, je suis pas Madame Chou. Qu'est-ce que je viens de te rencontrer? C'est la pure vérité. Je suis pas malade pendant tout. Ouais, ben, écoute, là. Je ne veux pas te fâcher, là. Hein? Mais je t'envoie voir un bon docteur. Et puis, si je te dirais que ce docteur-là, c'est, je pense bien que c'est le docteur du grand boss. Le docteur Baveux, là. Le docteur Baveux, c'est un maudit nom, ça. Un nom couché dehors. Le docteur Baveux m'avait ouvert. Hein? Que puis-je faire pour vous? M'avez ouvert. Oui, un homme qui traverse le mur. Docteur. Soulard. Soulard. Quelqu'un qui voit du monde qui traverse les murs, c'est un problème psychologique, Soulard. Psychologique, OK? Et moi, je soigne les maladies corporelles. Je suis un médecin généraliste. Alors, mon Soulon. Pas Soulon, Soulard, mon nom. Bon nom, c'est pas Soulon, c'est Soulard. Viens, Soulard. Soulon, Soulard, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ton problème psychologique, il faut un psychiatre, mon ami. Un psychiatre. Tu sais ce que c'est qu'un psychiatre? Je le sais, qu'est-ce que c'est qu'un psychiatre. Bon. Alors, il faut prendre un rendez-vous pour un psychiatre. Mais toi, physiquement, là, Soulon. Soulon! Viens, Soulon, mon nom. Soulon, 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 Soulon. Toi, Soulon, à ton âge, tu vas m'en aller quelque part, t'as qu'à venir me voir. Tu as des petits malaises quelque part? Un bras gourdi, et la main engourdie, docteur Baveux. La main engourdie, ouais. On va aller examiner ça de près. Allez, passe-moi ta main, Souillon. Excusez-moi. Souillon! Souillon! Ah, Souillon, Souillon.
Alors, est-ce que c'est sensible, ça, Souillard? Aïe! OK, Souillard. Alors, le diagnostic est facile. Tu as le syndrome du canal carpien. C'est pour ça ton mal. C'est pas parce que t'es plaignard, c'est vraiment douloureux un petit peu. Alors, on peut te soigner ça. Et peut-être au courant qu'il y a des coupures dans le domaine de la santé. Ça te fait, ça, moi, des coupures de la santé. J'ai tout le temps payé, tout le temps de ma vie. Tu vas me soigner. Moi, je t'ai dit docteur baveux. Tu commenceras pas à rire de mon nom ici, toi. J'en suis fier de mon nom. Tu l'as vu, il t'écrit là? Puis à bord de ça, si tu veux te faire soigner par moi, j'ai tout ce qu'il faut, malgré les coupures. Tu vois cette belle petite hache? Ça, mais ça. Donc, ça risque de ça pour moi? Pourquoi pas? Dans le domaine de la santé, il coupe. Alors. Vous pouvez mettre la hache de même, vous? Cacadière, prédation mécanique? Vous avez justement deviné. En bleu une, si mécanique. Docteur, là. C'est bon, là. Juste pour le bois, ça, cette arc-là. À part de ça, la scie mécanique, là, on serre ça dans le bois. Et puis tu le sens donc bien. Vous savez donc bien, au docteur Caillou. Par hasard, seras-tu le docteur Bayou? Qu'est-ce que c'est ça, ces noms-là? Écoute, moi, je suis docteur Baveux. Tu sais lire? Tu portes des lunettes? T'es capable de lire ça? Oui. T'as oué avec un couteau dans les mains, toi? Qu'est-ce que je fais avec ce couteau-là, toi? Ah, il fallait que je coupe un mangue tantôt, puis j'ai oublié de le déposer, c'est pas plus long que ça. Puis c'est pas tes maudites affaires. À part ça, là, on revient à ton syndrome du tunnel carpien. Ça, cette maladie-là, là, c'est un engourdissement des nerfs, OK? Mais répétitif. Toujours le même mouvement. C'est pour ça, Soulard, que t'es rendu avec ce que t'as là, à la main. Bon, voyons maintenant ce que l'on peut faire pour ça. Oui, garde Bourdon, qu'y a-t-il? Oui, il commence à avoir pas mal de patients qui s'impatientent, là, dans la salle d'attente. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ici, là, il y a un patient qui joue avec mes nerfs, ben, m'en viens un patient. Alors, dis aux patients qu'ils prennent le temps, OK? C'est beau, docteur. Merci. Bien. Alors, Soulard, qu'est-ce qu'on disait là? Ah oui, ton tunnel carpien. Bon. OK, Soulard, alors on va aller vérifier ta température. Bien. Alors, tu es au courant, Soulard, que ça, c'est le minimum qu'on fait. C'est le début qu'on fait d'un examen. J'aurais peut-être dû le faire avant d'examiner ton tunnel carpien, mais c'est pas grave. Allez, ouvre ta grande trappe, là. OK, Soulard, on va vérifier ça. Allez, Soulard, ouvre-moi cette bouche-là, là, qu'on voit un peu là-dedans. Oh! Toute une langue sale. Pas une langue qui sale que vous. Va t'en faire une langue sale, toi. J'ai pas l'endroit qui n'est pas une langue plus sale que toi, mon maudit baveux. Les nerfs, Soulard. Les nerfs. C'est moi qui. C'est mon bureau, c'est moi qui fais ce que je veux, OK? Les nerfs, Soulard. En passant, tu fais de la température, hein? Alors, tantôt, on va te donner une petite piqûre. Si t'es pas trop douillette, ça devrait bien aller. Mais là, m'a vérifié tes réflexes. C'est assez important, les réflexes. Alors. Alors, tu te gardes décontracté, hein? On se crispe pas pour rien. Alors, on va vérifier tes réflexes, mon. Douillette! Je t'ai à peine effleuré. On t'appellera pas Soulard, on va t'appeler Douillette. Quand ça va être tantôt, quand on te donne une piqûre. Ah! Il me reste une vérification, Soulard. Vérifier tes oreilles. Parce que c'est important aussi, hein? Alors, on va venir à ce bord-site. OK, Soulard. Allons-y tranquillement. Adieu, je vais recopier les oreilles. On va me souvenir d'être venu ici, moi.
dis que c'est pas un cadeau, c'est cette famille-là. Bon, allez, ça commence. Hip! Regarde! Sais-tu que ça ressemble à de la mousse, ça? Ça arrive-tu que tu te laves les oreilles, là? Ben, à toutes les jours. On va vérifier ton cou. On va voir, parce que tantôt, de façon, tu te tournais, là, ça m'a l'air intérêt d'un peu, ça. Aïe! Ouais, c'est ça que je pensais, hein. C'est raide légèrement, hein, un peu d'après. Aïe, 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 aïe! Casse le cou! Bon, t'as dit baveux, là. Bien, alors, je vais t'installer un collier. Ça va t'aider pour ton cou. Et peut-être même une piqûre, tiens. Tu diras pas qu'on t'a pas bien soigné ici, hein? Au bureau du docteur Baveux. Tiens. Yes, sir. OK, alors je vais appeler la garde. Et elle va venir te donner une piqûre. Au cas où t'as encore quelques petits malaises, hein? Elle va être aussi dur que toi. Oh non, elle a la main très douce, très douce. Je suis pas dur, moi, pour ça. C'est toi qui es douillette, souillard. OK. Pardon? Oui? Ici, on a besoin d'une piqûre pour notre patient, là. Il dit qu'il a mal à certains endroits, fait que peux-tu venir lui donner une piqûre? Oui, dans une minute. Bien. Que tu peux me donner une piqûre, toi? Ah, c'est mal dans le cou, elle n'a pas dû devenir ici. Bon, yousse. Le docteur, c'est moi ici. Ta piqûre, tu en as besoin d'une, puis tu vas en avoir une, puis ça finit là, OK? C'est moi qui ai le docteur, c'est moi qui mène ici. Elle s'en vient, là, avec sa piqûre, là. Elle va être aussi dur que toi. Oui, garde. Alors, c'est ce patient. Ah, d'ailleurs, c'est le seul que j'ai dans le bureau, c'est pas compliqué. Alors, tu lui donnes ça, ouais. Attendez, il sera pas là. Hein? Hey, garde! On donne pas de piqûre avec mon veston, par-dessus mon veston. C'est ça les coupures, mon cher monsieur. Les bécantes coupures, ouais. Coupures, ça. Ah, c'est ça, c'est dans un hospitalier, monsieur. Merci, garde. Aïe, aïe! J'ai mal au cou, j'ai mal au bras. Ah! OK, OK. On va t'en donner une deuxième. Ah, viens pas de ça. Avec ça, ça va bien sous l'or. Que je t'entende pas crier. J'avais pas de piqûre, j'avais pas de piqûre. Aïe! Tu me soigneras plus, toi. Ouais, j'ai pas piqué à la place que je voulais, hein, de gars. Tu l'as eu, ta piqûre? J'ai quelque chose à te dire aussi, sous l'or. Là, avec les coupures qu'on a, là, je ne veux plus te revoir dans mon bureau avant 6 mois. Fait que là, arrange tes flips là, pour pas avoir mal nulle part ou te briser rien parce que ici, là, avec les coupures qu'on a, je peux pas te revoir avant 6 mois. OK? Mais on n'en parle plus. Bon, OK. Là-dessus, on s'entend, c'est bien. Maintenant, si tu penses à te faire hospitaliser, j'ai un petit quelque chose pour toi. Là. Parce qu'il y en a qui se font hospitaliser et ils abusent du système. Puis même ceux qui abusent pas, il faut pas qu'ils restent longtemps. C'est le même aujourd'hui. Fait que ceux qui veulent rester à l'hôpital trop longtemps, m'a te montré qu'est-ce qui leur arrive. Là. Check un peu sur mon écran. Là. Ça, on est en direct de l'hôpital central. Là. Ça, c'est un patient qui ne voulait pas s'en aller. T'as vu comment il s'en occupe? Bon, fait que là... T'es épouvantable comment on est rendu. On est rendu d'un monde de fous. D'amour, fait que j'avais vous souhaité de prendre un bon repas. OK, c'est bon. Ça, bye bye. J'embrasse, un beau bec. Je t'aime beaucoup, Coton. Oui? Oui, un gros bec. Bye bye. OK. Un
m'excuse, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez monsieur Hawk Pratou? Ça, serait-tu le frère du gros héros? Oui, c'est ça. Du gros Onésime? Oui, monsieur, c'est ça. Le frère de la grosse Bertha? Oui, c'est ça. Comme ça, vous connaissez monsieur Hawk Pratou? Je connais pas ça partout, quoi. Est-ce que vous connaissez le magasin Le Végétarien? Bon, OK. Vous prenez ça. Gauche, à la 4e rue. À la prochaine lumière. Après ça, vous verrez à droite. Vous montez un one-way, là. Après ça, rendu au bas du one-way, là. Continuez toujours tout droit, là. Vous allez tomber dessus à un moment donné. Puis c'est la 3e. Après ça, continuez toujours. Virez à droite. Vous allez frapper un one-way, là. Bon, prenez ce one-way-là. Finissez toujours tout droit, là. Vous faites là, monsieur? Ben voyons, madame, je parle au monsieur qui... Ben, je parlais à un monsieur, il est plus là. Ouais? Un gars, ça disparaît pas de même. D'habitude, non. Vous êtes contre-maître, vous? Oui. Oui, justement, j'ai des beaux petits porte-clés avant. Regardez. Ça vous intéresse-tu? Vous allez m'encourager? Écoutez un peu, madame. Des porte-clés, là, non. Faites comme moi, travailler, puis... Vous n'arrêtez rien, des quêteux, là, on a assez de tout, là. Qu'est-ce que vous pensez que je fais, monsieur? Ben, faites comme tout le monde, travaillez. Je fais mes porte-clés et je les vends. Je vous donne même pas une maudite scène noire par ces pas m'encourager. Non. L'argent est assez dur à gagner, que n'en est pas question. Non. Gagne donc d'argent comme tout le monde. Vous voulez pas m'encourager, là? Vous voulez rien m'acheter? Non. L'argent est assez dur à gagner, là. Je travaille à soir de mon front, moi. Pas que ça, vous faites perdre mon temps, je suis pressé, là. Moi, là, je l'ai fait, mes porte-clés. Moi aussi, je gagne mon argent. Tiens, petit. Riches qui ont de l'argent, moins qu'ils veulent encourager le monde. On sait bien, des petites gens aussi, ils ne connaissent pas ça. Ah, c'est... Gorgé toujours. Ah, j'avais assez souhait. Il aurait pu me l'acheter. Lui, il va souper à soir. On sait bien. Plus qu'ils ont d'argent, les gens, moins qu'ils en donnent. Et une misère. Mais comment je vais faire pour souper à soir, moi? Ouais. On sait bien, hein? Plus les gens ont de l'argent, moins qu'ils en donnent aux gens qui en ont pas. Ça changera jamais, ça. Comment m'a fait pour aller souper? Mais il est vieux. Oh.
de vous pogner sur le fait. Quoi, monsieur? C'est monsieur, je viens juste de voir tantôt que vous avez volé une madame sans sacoche. C'est une sacoche, j'ai trouvé à terre, monsieur. Mon tas du menteur, pas qu'est-ce qui me retient. Mais là, écoutez, monsieur, ça fait une affaire avec vous, OK? Là, vous allez partir, vous allez prendre le sacoche. Je vais ramener ça à la madame, de vous excuser, de ne promettre de plus jamais voler. S'il vous plaît, monsieur, tuez-moi pas, je vais y aller, certain. C'est une dernière chance, OK? Là, tu vas aller reporter que tu as volé à la madame dans sa corps, et puis tu vas lui t'excuser, puis tu vas me promettre de plus jamais voler. À ce moment-là, je te laisse aller et j'appelle pas la police. Je m'en vais le poignarder. Qui se tourne le dos, je m'en vais le poignarder. Donne une chance, puis toi, tu voulais me poignarder dans le dos. Ah, mais tu ça, moi? Non, tu l'as peut-être pas dit, mais tu l'as pensé. Coudon, tu l'as-tu dépensé, toi? Oui, je devais l'y penser. Je suis à la quatrième dimension. OK? Et puis là, on dirait que c'est la vraie réalité qu'on vit là. Moi, je te donne une chance. J'étais prêt à porter la police. Je te donne une chance. Puis toi, pour me récompenser, t'es prêt à me poignarder dans le dos. T'as rien qu'un écœurant, comprends-tu, là? Un sale, comme on peut dire. C'est ça que... Là, moi, j'en reviens pas, je ne crois pas. Ça me semble c'est incroyable de penser à voler une madame le soir dans un pack de sasakas. Je ne comprends pas ça. Ça prend un inconscient irresponsable. Je suppose que tu vas dire, là. Mais oui, mais moi, j'ai eu des problèmes dans mon passé. Là, c'est ça que tu vas dire, je suppose, là. T'en plains ça, personne ne m'a aimé dans ma vie, moi. Personne ne m'a laissé de chance. J'ai tout le temps été tout seul, personne ne m'a aidé. Oui, voilà. Moi, quand j'entends des réflexions comme ça, personne ne m'avait aimé. J'ai été rejeté de la société. C'est pas une raison, monsieur, pour penser à commettre... Je veux dire que votre réflexion, vous pouvez voir aussitôt qu'une personne a des problèmes dans la vie, un exemple. Là, le gars pèse sa blonde. L'autre pèse sa mère. Oh! Mais il fait des vols pour ça. Moi, j'ai des problèmes dans la vie. Moi, c'est des réflexions que je trouve qui sont... C'est insensé, se réfléchir de même, monsieur. Là. Dans la vie, c'est pas de même que ça fonctionne, ça. Malheureuse. Oui, personne ne me met dans la vie. Ça, c'est vrai. Oui. En tout cas, je ne sais pas ce qui me retient de ne pas vous descendre tout de suite. Là. Je ne sais pas ce qui me retient quand je repasse à la madame qui est dans le fac que vous avez attaqué tantôt. Je ne sais pas ce qui me retient. Tire pas. Appelle pas la police. Oh, monsieur, je vous promets que je ne ferai plus de vol de ma vie. Je vous promets que je vais aller dans le droit chemin et voler plus personne. J'espère que vous êtes sincère, mais avec la face que vous avez là, c'est pas autour rassurant, ça. Il y en a dans la vie, des gens, là, qui ont ça écrit dans le front, qu'est-ce qu'ils ont. Ils voient que la face que vous avez, je veux pas vous décourager, mais vous avez la face, hein. Écoutez, monsieur, là, tantôt, je vous ai donné une chance pour me récompenser, j'étais prêt à me poignarder dans le dos. Je vais vous donner une deuxième chance, je me comprends pas, mais en tout cas, je vais vous donner une deuxième chance, une chose que je peux vous dire. Allez, vous savez la condition que vous allez porter à madame, aller à madame dans sa corps que vous avez volé, OK? Que vous vous excusiez, que jamais que vous commencez, vous allez maintenant, dorénavant, être sur le droit chemin, OK? Si vous voulez penser à recommettre des crimes quelconques, c'est un esprit qui va vous surveiller et garde à vous. Seigneur, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, c'est vous qui m'avez volé? Je vous rapporte votre sacoche, madame. Vous rapportez ma sacoche? Oui, je vous rapporte votre sacoche. M'excuse, je voulais rapporter. Ah? Puis il manque rien en plus. Ah ben! On aura tout vu. Est-ce que tu pourrais nous amener plus souvent au lac? Écoute, à l'amener, oui, vous allez venir plus souvent au lac. Hey, mais ta soeur, jusqu'à aller. Ta soeur, jusqu'à aller. Il y a des panneaux ici. Ta petite soeur. Oui. Grise. Marlène.
Ah, elle est là! Ah, bon, on a eu peur de perdre. Hey, est-ce que tu pourrais nous amener plus souvent à rivière? Tu voulais aller te baigner, là? Ouais. Ben, attends un peu, puis je vais y aller avec vous autres, les deux, tantôt, OK? OK. Bon. Hey, il y a un monsieur qui arrive. Ah! Attends un peu. Asseyez-vous. Salut, Rico! Salut, mon Joe Whisky, ça va bien? Ça va bien, non, ça va pas bien. Non. Ça va bien parce que là, je suis en pique-nique, je suis avec mes enfants, ma femme est là. Bien sûr. Mais là, j'ai vu Soulard, là. Oui. Puis il va dire une affaire, là, j'ai décidé de quitter l'organisation, définitivement. Ce que je viens de te dire, là, je quitte l'organisation, définitivement. Écoute un peu, mon Joe Whisky, là. Le grand boss, là, il m'a envoyé te surveiller. Fait que quand on est dans l'organisation, on reste là-dedans. C'est clair, ça? On sera au fût de plein. Hein? Pas! Hey, tu es en train de me faire des menaces, toi! Hey, toi, là! Viens jamais faire ça devant moi, OK? La dernière fois, si je le fais, moi, c'est pour ma famille. C'est pour mes enfants. Je t'ai écœuré d'être dans cette merde-là. Croyez pour te surveiller, toi, là. Grand boss, pas grand boss, tu peux effacer. Je veux plus voir, je t'ai écœuré de toute votre gang de. Il est assez longtemps dedans. Puis là, il décide de l'occuper mes enfants. Il n'a pas idée de traumatiser mes enfants, ça, moi. Boss, m'envoie pour te surveiller, puis m'envoie te surveiller. C'est clair, net et précis, ça. Surveille, si tu veux. Mais pour moi, ça ne durera pas longtemps. Puis à part de ça, tu vas t'assir, ça ne sera pas long, toi. Pas de bout, assis. Assis! Il y a un monsieur qui arrive. Ben? Hey, il y a un monsieur en chaloupe à moteur qui arrive. Oh, oh! Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, on n'a pas de problème, là. Mais là, si tu récites, on va en avoir. Prends ta canoë et efface. Dites-moi, bien, ouais, quoi, c'est un problème. Arrêtez ça pour ça. Je vois pas pourquoi que tu montes tes grands fous. Ben, je suis avec ma famille, là. Puis là, je veux avoir des moments de paix, de tranquillité, si on veut. Fait que là, on m'a dit en affaire, moi. Prends ta chaloupe, va-t'en, parce que sans quoi, là, si tu t'en vas pas, là, ben là, moi, m'a t'aider à t'en aller, puis tu vas te nayer en partant. M'a te nayer en partant, moi. Une fois, prends ta chaloupe, puis efface! Chut, là, pas tirer quand vous voudrez. Chut, c'est pas à toi, ça, ici, c'est à tout le monde. Fait que, prends ce que tu dois. Chaloupe, 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 ça presse! Parce que tu sais pas qui t'en fait. Ouais. D'accord, on va en aller. Mais toi non plus, tu sais pas qui ça va. Hey, débarrasse. Les enfants, on serait plus à coller. Non. Il a parlé au monsieur. Hein? Ah! On m'en reste là. Hop! Colin, que c'est-il le fond dans la quatrième dimension? On fait ce qu'on veut, on arrive juste ce qu'on veut. Là, je viens d'apparaître dans le bois présentement. Là, maintenant, il manquerait juste ma blonde, Colin. À moins que je la ferais apparaître ici. Certainement. Le vire d'abord. Moi! Hey, mon chéri! Ben là, c'est dans le bois! Exactement. C'est la quatrième dimension. C'est moi qui t'ai fait apparaître ici. T'es pas content? Oui, je suis content. Viens, c'est toi. Bon, à la quatrième dimension, c'est merveilleux. Maintenant, quand tu dirais ça,
à ton amour si on fera un petit pique-nique, toutes les deux, si t'as le bois. Ben, on a rien. Je viens d'apparaître ici, là, dans le bois, comme ça, par hasard, d'un coup. Écoute bien ça. La quatrième dimension, tout est possible. Donc, je peux faire apparaître des chaises, je peux faire apparaître un feu, le lunch, tout le kit au complet. Le char avec? Ben, le char avec. C'est ça. Bon, maintenant que je t'ai dit que t'as pas pour faire apparaître, le lunch, prépare-toi que tout va apparaître. Regarde-moi bien ça. Oui. Vois-tu le feu qu'il y a là, là? Garde la table, garde toute l'équipe. Là. Vois-tu là? On aurait qu'à maintenant à se servir. Ah ben. Donne-moi ça, là. Hein? C'est ça qu'à la quatrième dimension. Et voilà. On aurait qu'à se servir, comme on dit. Tiens, c'est ça que vous avez. C'est chaud ce feu-là, ça? Bon, t'as dit, c'est pour avec vous autres, ça compte, ça. C'est un vrai feu, ça? Il y en a qui vont penser que c'est pas un vrai feu, mais c'est un vrai feu à tabarouette. Il est tabarouette chaud, hein, ça compte, ça? Et mon, t'as dit oui? Non, coupe. T'as pour manger, là? Ça pas tout à fait assez cuit encore. Tiens, moi, j'aime ça bien cuit, moi, ça rôti, moi. Tiens, là, par exemple, tiens, regarde ça, tiens. Non, demain le coucroc, as-tu un accent, quelque chose, ça m'inquiète. Parle-moi-en pas, Raimondo. T'avais un problème de santé? Ouais. J'ai été voir le docteur Baveux. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il est arrivé, puis il m'a pogné le cou, puis il m'a tortillé le cou de main, puis ça fait clau. Plus que ça. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fou, ça, ce docteur Baveux-là. Parle-moi-en pas, cet enfant chien de docteur Baveux-là. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Non! Il s'est affaré, puis il m'a donné une piqûre dans la jambe. Il m'a pogné l'os. Le docteur l'os, c'est un fou, ça. C'est un malade mental. Hey, le docteur Baveux, là. Ouais. Va le descendre. Hey, ça hey. Tienne, là. Fais jamais ça. C'est le grand boss. Ça, s'il servait ça, mais il va te tuer! Tu penses okay. Quoi que tu veux, toi? Oui, monsieur! Coupe! Tu vois ça là, là, quand j'entends crier, il me tombe sur les nerfs! Puis il va le tuer! Pierre, c'est là! T'es un malade mental, toi! Tirer ces oiseaux! C'est de la nature, ça, ces oiseaux-là! Mais ben d'arva! Coudon! Laissez-moi tirer, toi! Hey, ce gouin-là! Il me tombe sur les nerfs! Il va péter au bas! Hey, hey! Quoi que tu as fait là encore? Tu là, quoi? T'es un malade mental! Je te l'ai dit tout à l'heure de pas tirer ces oiseaux! Tu viens d'en tirer un autre! T'es malade, là! Malade! Qu'est-ce que ça peut te faire, toi, ça? Raymond, ouais, m'a tiré, toi, si ça sera pas le nom, toi, c'est. Ah, ouais, ouais, il me doit une paye, hein? Ah, il me doit une paye, bien plus que ça. Ouais. Si tu savais, toi. Hey, monsieur, vous êtes un irresponsable. Tantôt, je vous ai vu, vous avez tiré dans le bois à la hauteur d'une personne. Avez-vous pensé qu'il aurait pu y avoir quelqu'un dans le bois? À chaque année, il y a des hens qui se font tuer dans le bois par des irresponsables comme vous. Avez-vous quelque chose à dire au moins? Qu'est-ce que vous avez à dire de ça, là? Hey, monsieur, vous le connaissez, vous? Oui. Vous m'avez aidé à ne pas commettre de vol de banque. Vous m'avez sauvé la vie. Oui, oui, vous le connaissez très bien, moi aussi, monsieur, vous le connaissez très bien. Mais par contre, monsieur, là, vous avez peut-être remis sur le droit commun,
Mais là, que vous avez fait aujourd'hui, monsieur, là, regardez-moi donc quand je vous parle, au lieu de regarder dans le bois. Tabarouette, regardez-moi quand je vous parle. Je regarde dans le bois. On dirait que vous êtes figé comme une statue de sel. Là, le problème, c'est que moi, ce qui m'écœure, c'est que chaque année, il dit, me répète encore, irresponsable comme vous, monsieur, là. À chaque année, il y a des hens qui se font tuer dans le bois, des accidents de chasse. Ça ne devrait pas arriver, ça. C'est tout du monde qui sont irresponsables, puis ils tirent sans regarder. Ils attendent de craquer dans le bois et ça tire. On ne doit jamais tirer à la hauteur d'une personne. C'est-tu clair, ça? Écoutez, monsieur. Écoutez-moi, là. Oui. Vous n'étiez pas dans la même situation que moi. J'ai rencontré le maudit docteur Baveux, l'enfant chienne, là. Puis il m'a surlevé la tête. Il m'a reviré la tête complètement. Oui, là, je vous comprends, monsieur, là-dessus, que vous êtes peut-être hors de vous-même, peut-être vous vivez une situation qui est peut-être critique, on peut dire, puis je vous comprends que peut-être mentalement, vous êtes énervé, et je vous comprends. Mais, par contre, monsieur, même si tout le monde, ou une personne qui a un problème quelconque, mais qui reste donc chez eux, à ce moment-là, qui n'est pas dans le bois pour tirer partout à la hauteur de... Moi, d'après moi, ça ne me surprendra pas, monsieur, que vous auriez peut-être tiré sur un oiseau. Ça ne se peut pas, mais moi, peut-être que vous auriez fait ça. Mais vous m'avez donné des bels exemples. Une autre fois, je ne le ferai pas. Bon, mais en tout cas, l'important, monsieur, c'est ça. C'est que, avant de faire poser un acte, on réfléchit avant. C'est ça qui est l'important. Puis quand on s'en rend compte, c'est parfait aussi. Mais promis, je vais le faire. OK. Parle-toi! J'ai parlé avec un type, moi, qui m'est apparu, puis a disparu tout d'un coup. Tu capotes? Non, capote pas. Tu parles au vent? Il y a personne ici! Tu vois, là, il y a personne ici! Ouais, allô? Oui, commando! Ouais, ça? Oui, là, le téléphone est dans mon corps, je vois maintenant. OK. Attends-moi, je vais être toi. Reste ici, toi. Oui, allô? Hey, Ramando. Oui. Ramando, tu as l'écoute? Oui, il y a l'écoute. Hier, Soulard, es-tu là? Oui, il est là, mais sais-tu quoi? Il veut aller tuer le docteur Baboule! Quoi? Il nous a ramassé près de Babé, lui, il m'a envoyé dans le fleuve sur la langue des poissons. Hey! Quoi? Je te donne la job de l'exécuter. OK, il n'y a pas de problème. Où est-ce que t'es, maman? Présentement, on est au lac Robert. Armando, Lac Robert, comme il est bien profond. Oui, il est profond. Envoie-le dedans avec tes poissons, parce que si tu fais pas ta job, on va t'exécuter à ton tour. Fais ton boulot. Le contrat va être exécuté à 100%. Eh bien, je t'attends. Pourquoi que le grabat t'a appelé, toi? Ça, c'est pas tes affaires, OK, là? C'est pas mes affaires, mais en réalité, il me doit d'argent, lui, puis il me doit une paye. Mais il l'a pas encore donné, c'est bon tôt. Tu vas l'avoir, ta paye, bientôt. Tu sais, t'es dans la paye. De quand que je vais l'avoir, ma paye, moi? Bientôt! Ouais, mais bientôt, ça te dit rien, ça. Moi, ça me dit quelque chose. Non. Non, Ramando. Tire-moi pas. Ça fait 20 ans. Qu'on est des amis. Il m'a donné l'ordre. Donné le contrat de tuer.
Là, si tu veux, vire-toi de bord, de toute façon, on est des amis, OK? Remonte-toi. Ouais. Je te remercie de ne pas m'avoir enlevé la vie. Mais je vais disparaître à tout le reste du monde. C'est bien mieux. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien belle. Ah, merci. J'aimerais bien savoir votre nom. Vanessa. Oh, ce beau nom que j'aime bien. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais à sortir avec vous. Ah non, vous êtes pas bien, j'ai un chum. Ouais, Yuki est ton chum. Il est pas ici, Yuki est. Il est pas ici. Ah, il est dans le bord du bois, là-bas. Moi, le bord du bois. Moi, chum ou pas chum, moi, ça me dérange. Ça me dérange rien. Ah ben moi, ça me dérange quelque chose, par exemple. J'ai mon chum, puis je viens de vous dire que... J'ai mon chum, là, puis j'en veux pas d'autre, puis elle trompe pas mon chum. Qu'est-ce que je viens de vous dire, monsieur, là? J'ai mon chum, moi, puis il est dans le bord du bois, là, là-bas, là. Vous le connaissez pas, en part de ça. Si vous voyez, là, en train de me croiser, là, et vous allez vous parler d'en face. Hein? Il va vous parler d'en face, assez raide. Allô, mademoiselle. Moi, le chum ou pas de chum, là? Moi, j'aimerais bien... Allez, me baigner avec vous. Parlez-tu, s'il vous plaît? Coupe. Puis si vous voulez aller vous baigner, là, allez-y donc tout seul, allez vous baigner. Sinon, si je vais avec vous, là, je vais vous nayer. Ça, donc. Comme mademoiselle, s'il vous plaît, vous en supplie. J'aimerais bien ça, me baigner avec toi. Savez-vous nager? Non, je ne sais pas nager. Y'a-tu d'autres choses que tu veux savoir, là? Le nom de mon chum avec ça? Vous m'avez dit que vous avez pas nagé. Moi, j'aimerais bien ça vous montrer à nager. S'il vous plaît. Ah! Si tu veux m'apprendre à nager? Tiens, tu me commences à me tomber ses nerfs. Allons-y donc! Nager. Ah, vous êtes gentil. Je suis content. Vous venez vous baigner avec moi? Ah, mon cœur va bien là. Allons-y. On va y aller. Mademoiselle. Oh là! Oh. Un méchant gros poisson, là! Ah oui! Ok, vas-y, là! Qui a son chum! Va, nègue-toi! Ben, va pour toi! C'est pour ça pour moi qu'il m'a. T'apprendras qu'à croiser une fille qui a un chum, là. Ah, mon. Ben, t'es parti, tu. Avec quelqu'un, tu cachais comme du beignet? Ah, oui, il y avait un gros maillet, là. Il est arrivé pour me dire. Il est arrivé pour me croiser. Quoi? Quand c'est. Pendant que t'étais pas là. Quoi, c'est tu me dis? Il y a un type qui est arrivé tantôt, là, puis il t'a croisé le temps, il était pas là. Ouais. Puis as-tu dit au moins que t'avais un chum de haut? Ah, j'ai dit que j'avais un chum. Puis? Puis il m'a demandé d'aller te baigner avec. Il t'a demandé d'aller te baigner avec? Et toi, est-ce que t'as accepté ou quoi? Conte-moi ça, là. Ah, au début, j'y ai dit non. Puis, ouais. Il arrêtait pas d'insister, puis envoyer donc. Puis, là, j'ai dit, OK, on va y aller se baigner. Là, on y a été se baigner. Puis, Quoi? Tu t'es baigné avec? Tu viens de me dire que t'as pas baigné avec, là, t'étais baigné avec, là. J'ai fait à croire que je voulais me baigner avec. Ah, OK, j'ai eu chaud, OK, oui. Puis, arrivé sur le quai, là-bas, là. Oui. Ben là, j'ai dit encore de beaux poissons dans l'eau, là.
Là, il s'est penché. Je lui ai donné un coup de pied à le cul. J'ai dit, non, toi. Bon, ça, c'est correct. Bon, toi, tu colles à ça. Oh, ben. Bon, c'est merveilleux. Hey, c'est sûr, mon amour, ça me tente qu'ils se mettent dans les. On est au lac. J'essaie de remporter ma canne à pêche. Ça me tente d'essayer d'aller pêcher un peu pour le fun. Si t'en penses, toi, pendant ce temps-là, ben, tu veux. Tu peux te baigner, tu feras quand tu voudras, OK? On va tendre au soleil, là. OK, c'est bon, tendre au soleil. Parfait. Tabarouette! T'as pogné un gros, là! Tête, la boîte de du l'ours. Oh! Tabarouette! Hey, un tabarnic de gros, ça! Hey, quand on vient de voir ça, t'en es pas eu un enfant de chienne de gros! Tabarnic! J'espère que c'est pas ma corde! Oh. Hey, que cette de poisson est pognée là! Ça se peut pas! Oh! C'est lui, là, qui m'a croisé tout à l'heure! Quoi? C'est lui qui est pogné au bout de ma ligne! Oh non, non! Quoi, c'est qui? Ah, là! Oui, c'est... Qu'est-ce que tu veux, toi? Quoi c'est que je veux? Pourquoi tu m'as accroché? Écoute bien, pourquoi que je veux... Tu dois savoir que... Écoute bien, me dire une chose, toi, là. Tantôt, et pour commencer, c'est pas volontaire. C'est pas venu de pogner, gros. Je suis en train de pêcher ici, le masqui. Je parlais pas de pêcher un poisson d'un bat pour commencer, là. OK? Ah, ouais. Bon, ah, ouais. Là, ma blonde vient juste de me dire tantôt que t'as voulu la creuser tantôt. Bon, ben, ça, vois-tu, qu'est-ce qui arrive, là? Ben, c'est la loi du retour, ça, mon gars. Moi, t'en fais une loi de retour, je t'accroche, toi. Mais là, présentement, parlant d'accrochage, c'est toi qui t'as accroché pour l'instant. Hey! J'ai l'hameçon dans le cou! Ah, comme ça, t'es bien accroché, t'as l'hameçon pris dans le cou. Ben oui! Ôte-moi de ça! Fais attention à ça! Écoute bien, hey, écoute! Messieurs, je vous répète une dernière fois. Oui, mais vous décrochez, là. Parce que dans la vie, normalement, tout le temps, une chance, deux chances, trois chances. Mais là, comme je me répète, c'est la loi du retour. T'as vu creuser ma blonde tantôt. Moi, c'était involontaire que je t'ai accroché comme ça, que je t'ai pogné de même. C'était involontaire, ça. Ah ouais? Mais d'une façon, respecte, on t'en rappelle de rester de tes roues. C'est la loi du retour. Oublie pas ça, toi. Mais on t'en fait une loi du retour si je t'accroche, toi. Mais là, tu l'as accroché pour l'instant, toi. Ouais, ouais. Tu viens de gâcher ma honnête pêche aujourd'hui, là. Depuis quand quelqu'un qui se baigne, un baigneur qui se baigne, où t'as des pêcheurs, comprends-tu, là? Oh, ben, c'est un peu, ben! Moi, descends en bas du cul, toi! Viens ici, toi! Hey, tu vas pas de m'avoir un sac! Ok, là, tu vas l'avoir! Ah, ben, t'as marouette, par exemple! Écoute-moi, là, toi, là! Ah, hold-moi donc l'hameçon dans le dos, tu m'as accroché, là, tout à l'heure! Ok! On te la donne, cette hameçon-là, parce que ça. M'a amené, là! Là, calme tes nerfs! Commence à en avoir plein mon casque, moi! Hey, écoute un peu, là! Comprends-tu, là? Hey, hey! M'a-t-elle enlevé ton hameçon dans le cou? Coup de ma main, là! M'a-t-elle enlevé ton hameçon dans le cou? Oui, ça presse! Bon, mais une condition, elle va être obligée de t'anesthésier! Mais tu es un docteur, toi! Pas un docteur, mais qu'est-ce qu'il faut? Ben, donne-moi la permission, m'a donné raison, moi! Ok! Bon, oui. Mais, viens tout de bord! Viens tout de bord, mon gros poisson de ouais, pâte. On te laisse, cette hameçon-là! Ok. Ah! Oh! 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 OK, monsieur. Je vais vous anesthésier parce que là, ça ne va pas sortir. Le pic est bien rentré. Hey. Oh, oui, ça fera pas mal, vous allez voir. Ça va pas. Ça va pas la voir pas. Ça fera pas mal. Ah, non. Lève-toi, mon gros. Lève-toi, là. Qu'est-ce que tu as fait là? Ben, je t'ai fait là. Écoute, t'as pas, je t'ai fait là. Pourquoi t'as arraché l'hameçon? Ouais, t'as pas. OK, hold-moi ça. T'as pas. OK. L'hameçon, t'as arraché. Oh, Dieu! L'hameçon est arraché, là! Ouais, mais. Qu'est-ce que t'as pensé, Qu'est-ce qu'il a pensé? Écoute bien, toi, mon gros tabarouette!
commence à m'énerver royalement. Là, voulais-tu... Moi aussi, je commence à m'énerver, OK, là? Voulais-tu que je t'arrache l'hameçon sans t'anesthésie? Tu vas peut-être mal à la tête, d'accord? Mais au moins, t'as pas mal dans le cou. Ça fait le mal change de place. Ah bon? Et voilà. Ça, en plus, c'est autre chose que je peux te dire en passant, là. Ouais. C'est que normalement, quelqu'un se fait prendre par un hameçon, par une ligne, on voit ça dans les films, on voit pas ça dans la réalité, normalement, jamais. Comprends-tu, là? Ah oh ouais! Bon, en fait, là, si t'attends, ça te dérange pas, là, sors de l'eau avec que je te raccroche encore. D'accord, ouais? OK, mon gros père, mon gros Paul. Avez-vous le pêcheur qui pêchait tout à l'heure? Ben oui, c'est parce que c'est pas un bon pêcheur. Hey, il m'a accroché avec son hameçon dans le cou. Êtes-vous correct? J'étais accroché mes deux. Ah ouais? Êtes-vous correct, là? Ça fait mal, ça fait mal. Avez-vous vu le pêcheur qui pêchait tout à l'heure? Ben oui, c'est un mauvais pêcheur. Hey, il m'a accroché ça dans le cou. Ben... Ça a resté planté dans le dos, dans le cou, dans le dos, là. Du malade là. Hey, ça fait mal, c'est un mou du malade là. Ben là, êtes-vous correct? Êtes-vous correct? Ah non, ça me fait mal. Non. Regardez. Oh. Ah, ben c'est un fou, ça, voyons. Ah, c'est un malade mental. Tossez-vous la côté. Un fanatique. Ben oui. En plus, là, c'est vous quoi qui m'a fait? Non. Il m'a assommé avec une brique. Il m'a fait une brique. Ça, il m'a cogné ça sur la tête. Non, c'est pas ça. Il est tombé sur le dos. Vous méritez ça? Mais non, je pense pas. J'ai pas mérité ça. Mais là, il vous a pas fait ça pour rien. Hey, Pierre! J'ai entendu deux coups de feu dans le bois. C'est toi qui as tiré? Oui, c'est moi qui ai tiré. Ça, c'est pas de tes affaires, ça. Joe Whisky? Oui. Je vais te raconter quelque chose. Le grand boss a dit à Raimondo, mais écoutez. Quoi? C'est bien trop vrai, c'est pas démontré. Quoi? C'est pas croyable. Le grand boss a dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de l'ordre à Gio Raimondo de m'exécuter. Attends un peu là. Oh. C'est bien trop vrai, Joe Whisky. Comme ça, il veut nous faire exécuter. Oui. C'est pas des batteries. Je le dis, voilà comme t'es là. Ouais, mais écoute une affaire, là. Le baisse, veux-tu être avec moi? Tu veux-tu se mettre avec moi? Bon, on va y aller. Ben, je suis tout le temps d'accord avec toi. On va y aller, son cas, lui. Bon, on va y aller, j'ai réglé son cas, certain. Moi, je suis d'accord. Bon, ben, c'est correct. Hey, Joe. Whisky. J'ai d'autres choses à te raconter. Rien d'assez. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Et puis, imagine-toi. Hey, Joe, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Hey, raconte-moi ça, Pierre. Oui, là. Je pensais que t'étais ta capitaine un peu. Qu'est-ce que t'as fait avec le bateau comme ça, là, que ça a l'air, ça? Coup. Hey, t'as pas d'allure, ça, là, que tu viens de faire, là. Moi, ça n'a pas d'allure. Hey! Un bateau, il fout comme ça, penses-tu qu'on va être capable de repartir devant toi? À part ça, si ça va pas, on va les laisser à épais. Ben, ça fait rien, moi. Commençons. Aïe, aïe! Coupe, là! Là, tu vas te lever, puis tu vas aller. Remets ce bateau-là à l'eau. Tiens! Coupe. OK! On va sortir le sol. Le bateau. Vas-y, sortir le bateau. Mais à part de ça, quelle sorte de bruit qu'on entend ici? Et où tu t'es quoi, au fait? Hey, viens donc, c'est un peu, toi, après la toi encore, viens ici. Hey, c'est votre dernier gars, vous autres! Lâchez-vous de liberté! Coupe! Liberté! Suivez! Attache ton chum après l'arbre qui est là. OK, là? Ben quoi? Bien fait. Ah, mon capitaine!
rendu là, lui? Donne-moi la reine! Accote-toi au côté de toi! À côté de lui! Surprise! Hein? Si tu bouges, là, je te coupe le cou! T'as compris? On compris, là! T'as compris? Ouais. Vos deux yeux! Fermez-vous! Vos yeux! Vous vous couvez vos têtes! Que... Mon gros sac! Ok. Lui, on l'a choisi comme capitaine. Ah? Un mot du bon capitaine? C'est lui qu'on garde. Mais ma parole, vous avez arraché une page d'une Bible? Mais diable m'emporte, vous serez tous donnés en enfer pour avoir arraché une page d'une Bible. Et diable m'emporte, vous avez arraché une page d'une Bible. Que diable m'emporte. Ouais. Allez remettre ça dans votre Bible. Et tâchez de savoir que je suis toujours votre capitaine. Capitaine de la Barbe Noire. C'est moi qu'on m'appelle ici. Capitaine de la Barbe Noire. Vous avez compris ça? Alors, allez, tous, au oui, capitaine. Qu'en fais-tu, Joe? Le rêve que je viens de te raconter. Ah, puis comme ça, le gars qui t'a sauvé la vie, là, c'est le même qui t'a remis sur le droit chemin. Oui. Mon rêve, toi aussi. On a été sauvés toutes les deux. Bon, ben d'après moi, c'est bon signe. Parce que t'as un ange gardien qui protège, toi. Ton amour, c'est comme je te disais. Moi, j'en reviens pas dans que ça de monde qu'on vit aujourd'hui. On vit un monde d'hypocrisie, on se fie à quelqu'un, puis tu sais, on va rendre service à quelqu'un, après il va nous poignarder dans le dos. Ouais, ça c'est bien. Moi, j'en reviens pas. Dans la vie, faut pas dire, faut pas faire confiance à personne. Non, faut faire confiance à du monde, sauf que faut tout le temps être très prudent. Ouais. Vois-tu quand comme une toilette à Robert, là, puis vois-tu, il y a un énergumène qui est arrivé, puis là il t'a croisé, puis il était prêt à vouloir sortir avec toi, même si tu lui avais dit que t'avais un chum. Ouais, qu'il y a du monde pas d'allure. C'est le cas de le dire, il y a du monde qui n'a vraiment pas d'allure. Bon, ok. Puis, t'es en quatrième dimension. Qu'est-ce que t'es capable de faire d'autre chose avec ça? T'es en quatrième dimension? Ouais. Regarde bien ça. Hey, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ben, quand est-ce que je suis? Que je suis ici? Oratoire, à ton amour, tu me vois pas? Ben oui, je suis là. Je te vois pas, là. Ben oui, regarde bien ça, elle verra pas l'aide, là. Tiens, étais toujours là? Amen! Ben oui, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on peut faire dans la quatrième dimension, c'est un autre. Tu peux arrêter de même. Une autre affaire que je peux faire. Ah ben. Bon, ouais. Regarde le beau bateau qu'il y a là, dans la route. Tu es beau, la nature, hein? C'est merveilleux. Ah oui, ah oui. Machello, qui apprenne que j'ai pas tué Pierre Cillard, c'est moi. Je vais me ramasser dans le fond du lac Revers. Ouais, monsieur, comme je peux voir, vous avez des problèmes, des casse-têtes, monsieur, je peux-tu vous aider? Ouais, que vous avez des problèmes. Voulez-vous que vous aille? Écoute bien, là. Je veux rien savoir de toi. Monsieur, au départ, tantôt, quand je suis arrivé ici, j'ai deviné à ce que vous étiez en train de penser. Vous étiez en train de penser que si le grand boss Marcello apprenait que vous n'aviez pas tué Pierre Soulard, vous étiez pour vous ramasser dedans le fond du lac Robert, monsieur. Oui. Tu as fait deviner mes pensées. C'est un bon Dieu, ça. Écoutez, monsieur, moi je ne suis pas un bon Dieu, ok? Je suis juste dans la quatrième dimension, point.
Là, quand je me fais, ouais, vous voulez pas de mes conseils, vous voulez pas de mon aide, il n'y a pas de problème, je vais m'en aller, vous arrangerez avec vos problèmes. Une chose dans la vie, il faut se dire, monsieur, là, qu'on a tous, un ange gardien. C'est peut-être moi qui votre ange gardien, mais là, vous m'envoyez me promener, vous n'avez rien à savoir de moi. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous arrangerez avec vos problèmes. OK! En tout cas, monsieur, je vais vous dire juste une chose. D'apprendre que dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. C'est comme on dit le proverbe, il faut jamais dire, fontaine, ne boirez pas de ton eau, parce que on, c'est immanquable qu'on doit être allé boire à cette fontaine-là, monsieur. Alors, il va avec vos problèmes. Non, non, je veux rien faire de toi, puis efface. Un préfet pour deviner mes pensées, c'est un bon Dieu, ça. On a une belle journée, hein? Oui. On est vraiment bien. En tout cas, dans la quatrième dimension, c'est formidable! Ah, formidable, oui? Ouais! Bon, on va continuer encore un temps. Je demande où va exécuter les ordres de Fiedelin. Je commence à me méfier de ce gars-là. Ouais, je vais pas le voir que je voulais ça. Hop! Cossette, c'est quoi ton problème, Drew? C'est quoi ton problème, Drew? Ben écoutez, monsieur. Moi, je me rends compte que vous avez l'air d'avoir des problèmes. Et voulez-vous que vous ayez arrêté vos problèmes? Mais tantôt, j'ai deviné vos pensées. J'ai deviné que j'étais en train de penser que vous avez donné l'ordre à quelqu'un d'exécuter un contrat. Vous êtes plus certain s'il exécutait le contrat. Parce que je l'ai deviné. C'est la quatrième dimension, simplement. Oui, parce que c'est la quatrième dimension. Il devine mes pensées. Par rapport à ça, là, viens plus jamais relever les mains sur moi. C'est ça, ça, là, là. Marcello. Ah ouais, c'est moi, Marcello. Il était mieux de disparaître. C'est la quatrième dimension. Mais tu on n'est pas obligé de prendre de tournée. Viens nous a rendu un vieux port de Montréal. Ah ben! OK. Là, maintenant, on va visiter. OK. Tu as vu, j'ai voulu aider à régler un problème au sale barbu, leur mettre le droit commun. Oui, oui. Puis pour me récompenser, il a essayé de m'étouffer. C'est ça que dans la réalité de la vie, on est. Oui. Ferme ta gueule, toi, Norier. On veut aider quelqu'un pour nous récompenser, quand on nous étouffer, ou ah, nous poignarder. Oui. C'est ça qu'est la vraie vie d'aujourd'hui. Ah, ben oui. On revient pas, moi, ah, encore. Oui. Hein? Non, t'as commencé à parler un peu plus loin, là. Ouais, je peux y revoir la farce de sale barbu, mais je peux y attendre. C'est bon, ça parle, hein? Elle aurait bien dû pas m'en occuper de ce sale barbu-là. Ouais.
Une chose que je comprends pas, depuis que j'ai trouvé mon étoile de shérif, j'ai juste le goût d'aider les autres et faire régner la justice. Et oublier la sale barbue. On est ici à Montréal pour s'amuser, on a le vieux port de Montréal, et puis on va s'amuser, on va visiter, et puis c'est ça. Regarde, justement, il y a un mini-spectacle, tiens, tu vas aller voir ça, là. Là, pour une émission. Ben oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Rico, prends ça. Hey, Rico. Prends soin de ça. Mon écœurant, t'as vu d'avoir fait ta job, vous m'en vas te descendre, mon écœurant. T'as confiance en moi, Marcello, que l'ai bien fait, mon boulot. T'es menteur. Parce que Rico va prendre soin de toi. On n'a pas besoin des gars comme toi, ça. Oh, pas menteur, Marcello. Elle a bien fait, mon boulot. Et toi, elle n'aime pas être avec ton gars. Écoute, Rico. Écoute, Romando, viens ici. Ouais. On va te donner une chance. On va oublier ses consciences. On va fêter ta fête. Pas vrai, Rico? Bien sûr. Il mérite sa fête. OK! Yopé! Hey, whisky. Viens, j'ai affaire à te parler. Ok, va. Bon. Ben, je vais sortir de l'organisation. Je t'aime bien. Je sais que t'es un bon gars. Tu vas nous rendre une petite faveur. Tu vas descendre. Pierre, celui-là. Et puis, Romando. Fais ça, puis on te libère. Qu'est-ce que tu vas voir mieux que ça? Hein? Joe Whisky, ah oui. Qu'est-ce que tu vas faire, Joe Whisky? Qu'est-ce que t'en penses? OK, on va le faire, boss. Marchez ton cul. Malade. Marchez ton cul. Viens. Ma foire. Thank you.
Et tout un contrat, là, moi, mais être obligé de descendre pièce sous l'or. Puis Romando, mes deux meilleurs amis. Ouais, on est fou de la masse. C'est ça que t'en es de vous dire, là. Là, pour me rendre compte, vous avez des problèmes, t'en es de penser que vous avez le contrat de votre patron, Marcello, de descendre votre ami pièce sous l'or et Romando. Parce qu'au départ, là, monsieur, si vous exécutez votre contrat, ok, là, vous êtes sorti de l'organisation, vous avez dit, et puis, vous allez descendre les deux étudiants. Mais après, c'est un contrat qui va être mis sur vous par la presse. Comprenez-vous, là? Fait que, en passant, là, moi, j'ai été à Montréal l'autre jour, au vieux port, il a rencontré un barbu. Il me semble qu'il a entendu parler de Marcello. Ça ne serait pas Marcello, ton grand boss, par hasard? Oui, ça ne te regarde pas. Non, ça ne me regarde pas, mais voyez-vous, il y a bien des idées vous pensez. En tout cas, monsieur, je vous répète, pensez-y sérieusement, mais moi, à votre place, je vais oublier ça, et puis, je n'exécuterai pas vos deux meilleurs amis. En tout cas, moi, je ne peux pas, quand il dit. Parce que de toute façon, Marcello, moi, je peux m'en occuper, monsieur, personnellement. En tout cas, pensez-y sérieusement, monsieur. Les émettants, qui doit bien être content. Vous allez comprendre que c'est aussi une vie, il n'y a aucun enfant. Il peut être proche pour le sortir, mais on garde ça pour le parent. Hey, Joe Whisky, t'as pas l'attention un petit peu? C'est toi qui le dis. Et pas le choix. Dis-moi pas, tu veux me tuer, moi aussi? Tu l'as dit toi aussi, et pas le choix. Une affaire que je peux faire. Ouais? Je peux vous donner une chance de duel, les deux contre moi. En parlant de duel, moi? Toi, acceptes-tu le duel? Oui, j'en accepte le duel. Monsieur, là, je viens de voir au festival Western de Saint-Tite. Je pensais de vous avoir convaincu, je vous remets sur le droit chemin, là, vous êtes arrivé juste à terre, j'étais en train de vouloir tuer vos deux amis. C'est qui, toi? T'es pour être shérif, toi? Oui, monsieur, moi, je suis shérif dans la quatrième dimension, monsieur. C'est quoi, la quatrième dimension? La quatrième dimension, monsieur, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. La preuve, là, je peux même faire allumer une bouteille de bière, si je voudrais. Oui, monsieur, regarde bien ça. C'est le bout, ça. C'est le bout, tiens, monsieur. Prenez un bon cigare. Oui, ça va être plaisir, monsieur. Regardez bien ça, monsieur. Ça, c'est bien une bouteille de bière, ça, vous la voyez comme il faut, là? Oui, c'est bon. Regardez bien ça, monsieur. Tiens. Allumé, en plus, voyez-vous. Puis même plus que ça, monsieur. Je peux même faire apparaître un oiseau, si vous voulez. Je peux pogner un oiseau, aller dans le bord du bois, pogner un oiseau, mais vous le laisser aller voler devant vous. Regarde ça, une minute, je reviens. Monsieur, tout est possible. Je viens d'aller prendre un oiseau dans le bord du bois. Maintenant, je vais vous le montrer. Je vais le laisser partir au vol. Tiens, monsieur. Fait qu'il essaie de ça autrement. Voyez-vous, tiens. Regardez-le aller là-bas, l'oiseau. Là. Ouais, ben là, j'ai mon voyage. C'est ça qu'est la quatrième dimension, monsieur. Sais-tu que si tu m'arrives encore de même, là, ça me ferait pas mal d'avoir
Je suis comme ça avec mes chums, je pense que je vais aller m'excuser, ça n'a aucun sens que ce qu'il n'a pas fait. Et voilà, mais là l'important, monsieur, là, c'est que vous ayez compris le message, puis vous aviez décidé de retourner sur le droit commun, puis maintenant vous allez vous réconcilier avec vos amis, et vous allez oublier complètement le côté, qu'on peut dire, criminel. Excusez le mot là, mais le côté négatif, que vous allez complètement mettre ça de côté, puis qu'on peut dire que vous êtes allumé. Bien sûr que oui, il va de suite, puis merci. Bon, meilleure quoi? L'important, c'est que vous ayez compris le message et puis que vous avez allumé, c'est ça qui est l'important, monsieur. Pourquoi? Il fallait tout vivre. Pierre? Non, pas trop blessé. Ma dire. Moi, là, je t'en profite la pire bêtise, là, de ma vie, les gars. Écoutez un peu, là, t'sais. Pardon! Et Philippe, êtes-vous, m'en voulez pas trop? Non. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais pas si c'est dans ma tête, mais il y a un gars qui m'a apparu, qui, après ça, il a disparu. Et puis ça, ça m'a fait penser, puis regarde, aujourd'hui, là, puis je dois comment, là, pour toute la patente. Si vous voulez, les gars, la main. C'est mon frère! T'es tout excusé! Frère! Vive la quatrième dimension! Là, on s'en dépasse l'imagination! Viens te baigner, Vanessa! Tu vas aimer ça! J'arrive! Tata! La quatrième dimension! Ça dépasse l'imagination! Où est-ce que tu es?